Je m'appelle Franck Bourrier, je travaille à IRC à Grenoble sur les forêts à fonction de protection. Je travaille plus particulièrement sur des modèles de stabilisation des sols. Ce sont des modèles mécaniques, c'est-à-dire qu'on va modéliser explicitement un sol et on va intégrer les systèmes racinaires des arbres dans ces sols. Et en fonction des propriétés de ces mécaniques de ces systèmes racinaires, on va pouvoir évaluer dans quelle mesure le système racinaire permet d'améliorer la stabilité du sol. Pas de racines plus de 3 non plus. 0 à 1. Ces modèles ont besoin de paramètres d'entrée qui doivent être déterminés sur le terrain. Ces paramètres, ça peut être le nombre de racines par mètre carré de sol, ça peut être les propriétés du sol, ça peut être les conditions météorologiques sur site. Donc, dans le cadre du projet, il y a 3 sites différents. Sur chacun des sites, dans le cadre du Work Package 3, des relevés de terrain sont faits. Et l'ensemble des données m'intéressant pour pouvoir alimenter mes modèles sont issues de ces relevés de terrain. Ah oui, Rémi, en fait, je me suis trompé. Pour la classe, dans chaque profil, ce qu'on fait, c'est de compter les racines. En fait, c'est compter le nombre de racines en fonction de classe de diamètre. Et on a 6 classes de diamètre, de 0 à 1 mm, 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4, pardon, 3 à 5, 5 à 10, et 10 à 20 et plus de 20 mm. Ah oui, pour la classe 1 à 2, tu ajoutes une pour arbuste aussi. Pourquoi on mesure les racines? Parce que la densité racinaire est un des facteurs très importants dans le modèle de cohésion des racines pour la stabilisation de pente. C'est le modèle de FOS. Pour calculer le FOS, on a cohésion racinaire. Mais pour avoir la cohésion racinaire, on a besoin de la densité racinaire. Et la densité racinaire, le seul moyen, c'est de compter les interceptions des racines sur un profil. Mon modèle de cohésion, ça quantifie la contribution des racines. Déjà, en fait, on peut quantifier la contribution des racines dans la stabilisation de pente. Et après, par exemple, mon collègue John Kim, il va mesurer la teneur en eau de chaque couche. Ça, c'est aussi un facteur très important, à part des racines. Donc on va voir si c'est de l'eau, c'est l'aspect hydrologique qui joue un rôle plus important ou c'est plutôt les racines qui jouent un rôle mécanique. C'est des racines qui sont plus importantes. Donc ça déjà, si on a ça, c'est déjà pas mal. Ouais. What we want to measure here is soil moisture at different depth levels, and to do that, we have the soil moisture sensor that we just installed this morning. So we made this pit yesterday, and then I made a small hole, maybe diameter of 2 centimeters, into the wall of the pit, maybe 20 centimeters deep, but since the soil is kind of rocky, what we did is we loosened the soil and we packed the sensors in with the loose soil so that the sensors have good contact with the surrounding soil. So in that way, we are sure that what the sensors are recording is actually the soil moisture of the surrounding soil, surrounding environment. So we have installed the sensors at 5 centimeter, 10 centimeter, 20, 40, 70, and 100 centimeters down there. And eventually what we hope to do with this data is to calculate the amount of water that's moving through the soil after the rain, and at different depths there will be water uptake from the plants, and we'll be able to see the signature of those different effects of the rain and the plant uptake with these sensors. Le modèle, c'est une simplification de la réalité qui permet d'intégrer les mécanismes principaux. On n'arrive jamais à atteindre complètement la réalité. Par contre, on va pouvoir tester un nombre de cas de figure bien plus important, un grand nombre de situations agroforestières
Et donc on va pouvoir définir les conditions qui permettent de maximiser la stabilité des sols, donc c'est-à-dire de minimiser les glissements de terrain et de maximiser le stockage de carbone dans les sols. Et donc les modèles, dans ce cadre-là, les modèles ont l'intérêt de pouvoir explorer des situations très diverses comparées au nombre assez limité de situations qu'on a sur le terrain, vu qu'on a que quatre sites entre guillemets.